vous allez bien? Bonjour notamment à toutes les équipes des différents établissements. Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer une séance d'activité physique qui va être plutôt ludique car nous allons faire la représentation des différents sports des Jeux Olympiques. Donc je vais vous proposer différents sports et on va venir faire différents mouvements spécifiques à chaque sport que je vais vous proposer. D'accord? Alors avant ça, donc je vais vous proposer un petit échauffement sur 5-10 minutes et ensuite je vous proposer environ une dizaine de sports que l'on va faire tous ensemble, bien sûr adaptés. On va reprendre les mouvements spécifiques des activités, donc on va pouvoir aussi travailler notre imagination. D'accord? Allez, donc je vous laisse vous installer. Hop, je m'installe aussi sur une chaise et on va venir tranquillement tous ensemble débuter l'échauffement. Donc on va venir commencer au niveau de la tête. Je vais vous demander, messieurs, dames, de faire des mouvements du haut vers le bas, tranquillement. Donc, on va venir faire des mouvements du haut vers le bas. Voilà, tranquillement. On va venir déverrouiller les articulations pour cet échauffement. Voilà, on pense à bien souffler en même temps. On ne reste pas en apnée. Très bien. Et au fur et à mesure, on va grandir les mouvements. On va venir acquiescer sur une plus grande amplitude. Voilà, très bien. Maintenant, nous allons passer à des mouvements sur la gauche puis sur la droite, comme si nous refusions quelque chose de la tête. Donc, au départ, on va faire des petits mouvements tous ensemble. Puis, au fur et à mesure, vous pouvez grandir les mouvements. Voilà. Donc, on sent bien là qu'on déverrouille au niveau du cou. Tranquillement, voilà. Si c'est douloureux pour certaines personnes, voilà, ne forcez pas. Voilà. Le but, hein, c'est pas de se blesser. Donc, tranquillement, on va venir agrandir nos mouvements. Et on va venir faire maintenant un dernier exercice au niveau donc des cervicales. On va venir avec le bout du nez dessiner des cercles tranquillement. Voilà. Donc, vous imaginez avoir un crayon au bout du nez, une feuille blanche devant vous, et on va venir dessiner des cercles. Voilà. Donc au départ, on va venir dessiner des petits cercles et au fur et à mesure, on va venir grandir ces cercles. Voilà. Toujours pour les personnes qui ont des douleurs, hein, n'hésitez pas à rester à dessiner des petits cercles. Voilà, pour éviter d'accentuer les douleurs. Et tranquillement, on vient dessiner nos grands cercles. On va le faire d'un côté, puis maintenant, on peut le faire de l'autre côté. Tranquillement, sans que la tête ne tourne. Ok, très bien, super pour tout le monde. Et on relâche. Maintenant, on va venir passer au niveau des épaules. Je vais vous demander donc de relâcher les bras le plus possible. Donc, relâcher les bras sur le côté. Et on va venir hausser les épaules et relâcher. Donc, on inspire et on souffle en relâchant. On inspire, on souffle. On inspire. On souffle. Encore deux fois, on inspire. On souffle. Très bien. On inspire. Et on souffle. Très bien. Maintenant, avec les épaules, on va venir enrouler les épaules vers l'avant. Tranquillement. Donc là, on va venir rouler les épaules vers l'avant. Hop, je vous montre de côté. Donc, l'épaule va venir rouler vers l'avant. Voilà. On roule les bras, on verra. Voilà. On enroule tranquillement les épaules, tous ensemble. Voilà. Chacun y va à son rythme, hein, toujours. Voilà. Pensez à bien souffler, on ne reste pas en apnée. Ok, super, très bien. Maintenant, on va venir hop, enrouler les épaules vers l'arrière. Tranquillement, voilà. Faites-le à votre rythme. Il n'y a pas de précipitation, pas de course. On est là tous ensemble, on est bien. Voilà. Tranquillement pour déverrouiller les épaules. Allez, on fait encore quelques secondes vers l'arrière. Et super. Et on relâche. Très bien. Maintenant, nous allons venir échauffer au niveau des coudes. Donc, je vais vous demander, messieurs, dames, de poser les mains au niveau des genoux. Et les paumes de main vont être vers le ciel. D'accord? Donc, paumes de main vers le ciel. Et on va tout simplement venir toucher les mains au niveau des épaules pour venir échauffer au niveau donc des coudes. D'accord? Tout simplement.
Voilà, petit exercice tranquillement pour venir échauffer au niveau au niveau des coudes, pardon. Voilà, super. Allez, on fait encore quelques secondes. Ok, super, très bien. On va bien continuer, messieurs, dames, au niveau des poignets. Donc, au niveau des poignets, nous allons venir donc entrelacer, donc placer les deux paumes de main l'une contre l'autre, entrelacer nos doigts et on va venir tranquillement faire des rotations avec nos poignets. Tranquillement. Donc, pour rappel, on vient entreposer nos deux mains l'une sur l'autre, nos doigts vont s'entrelacer comme ceci et on va venir chauffer, échauffer, pardon, au niveau des poignets, tranquillement. Voilà, donc vous faites dans tous les sens. Vous pouvez faire tranquillement de la droite vers la gauche ou dans tous les sens. Voilà. Super, impeccable pour tout le monde. Voilà. Essayez aussi sur cette partie d'échauffement de vous maintenir bien droit. Évitez d'être recroquevillé. Essayez voilà, d'avoir le dos le plus droit possible pour éviter les douleurs aussi au niveau du dos. Voilà, donc on continue quelques secondes au niveau du poignet, des poignets, et on relâche. Et on va venir maintenant terminer au niveau des doigts. On va venir ouvrir et fermer les doigts. Voilà, pour déverrouiller au niveau de ces articulations tranquillement. Voilà. Des fois, vous pouvez jouer tout simplement juste avec les pouces qui rentrent à l'intérieur pour aussi un peu plus les solliciter. Mais sinon, voilà, le principe, on ouvre et on ferme les mains. Comme ceci. Très bien. Allez-y à votre rythme, toujours, je me répète, hein. Voilà. Mais n'allez pas dans la précipitation. D'accord? Ok, très bien. Et on va terminer, on va jouer notre plus belle partition. On va imaginer un piano devant nous et on va venir jouer notre partition, notre plus belle partition. Voilà, tranquillement. Ok, super. Voilà. Très bien. Impeccable. Voilà, on vient dégourdir les doigts pour terminer. Très bien. Et on relâche. Super. On va bien terminer, messieurs, dames, au niveau des bras. Donc, faire un dernier exercice. Je vais juste vous demander avec la main droite de poser votre main droite au niveau de votre épaule gauche. Donc, je rappelle, la main droite au niveau de l'épaule gauche. Et on va juste venir frictionner au niveau de l'épaule pour continuer donc à travailler au niveau de l'articulation, à chauffer au niveau de l'articulation, mais aussi à commencer à réveiller nos muscles tranquillement. Donc on va bien frictionner au niveau de nos épaules un petit peu et on va faire pareil juste après sur l'épaule droite. Donc là avec la main droite au niveau de l'épaule gauche, on vient frictionner. Voilà, donc on pense bien aussi à passer derrière, nous essayer d'aller chercher derrière aussi si vous le pouvez sans vous faire mal. Voilà, pour bien échauffer toute l'épaule. On va faire le même exercice maintenant, le même principe, avec la main gauche sur l'épaule droite. Donc rappel, main gauche sur l'épaule droite. Et tranquillement, on vient frictionner notre épaule droite. Ok, super, très bien. Voilà, c'est un petit massage en même temps. Qui est agréable, hein, on va pas se nier, un massage est toujours agréable. Ok, très bien. Et on relâche, super. Allez, on va venir rapidement travailler un petit peu au niveau du buste. Donc, je vais vous demander de relâcher les bras sur le côté ou si vous ne pouvez pas juste de poser les mains donc, au niveau des jambes. Et on va venir tranquillement basculer, voilà, le buste, s'incliner sur la gauche puis sur la droite. Donc, tout simplement, on s'incline sur la gauche et sur la droite. Le but, hein, ce n'est pas d'aller non plus toucher par terre, c'est tranquillement s'incliner à gauche et à droite, comme si on était sur un bateau. Voilà, hop, pareil quand on a les mains sur les cuisses. Voilà, on s'incline sur la gauche et sur la droite. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible aussi. Voilà, comme si on était sur un bateau. Avec la houle, ça nous incline sur la droite et sur la gauche. Ok, très bien pour tout le monde. Allez, on fait encore quelques secondes.
va venir passer tranquillement au niveau des jambes pour terminer notre échauffement. Je vais tout simplement vous demander de commencer sur la jambe droite à venir frictionner au niveau de la jambe droite. D'accord? Donc tout simplement, on vient frictionner avec nos deux mains au niveau de la jambe droite, voilà, pour avoir un réveil musculaire. Voilà. Tranquillement, on vient échauffer au niveau de cette jambe, notamment au niveau des cuisses. Voilà. Donc on pense à passer aussi en dessous, hein, au niveau de l'arrière de la cuisse. Et enfin, pour terminer le frictionnement sur notre jambe droite, on va venir un petit peu au niveau du genou. Voilà, commencer à travailler au niveau de ce genou, tranquillement. Ok, super, très bien. Et on va passer un petit peu derrière le genou aussi, voilà, pour échauffer les tendons et les ligaments notamment. Voilà, super. Impeccable. On va faire le même principe sur la jambe gauche maintenant, toujours avec les deux mains. On vient tranquillement, voilà, frictionner notre cuisse pour un réveil musculaire. D'accord? Ok, super. Voilà, on pense à bien passer derrière aussi les cuisses. Voilà, pour éveiller les muscles des jambes. D'accord? Et enfin, on termine au niveau du genou gauche. Voilà, pour échauffer le genou. Très bien, super. Allez, on termine, on passe derrière un petit peu le genou, toujours pour rappel, pour échauffer un petit peu aussi les ligaments. Et on relâche, très bien. Alors, maintenant on va venir continuer. Je vais vous demander d'avec les deux genoux, simultanément, de monter un genou après l'autre, donc genou droit et genou gauche, tranquillement. Le but, c'est pas de monter le plus haut possible, c'est juste de venir lever un petit peu le pied du sol pour avoir une légère flexion au niveau du genou. Voilà. Et flexion aussi travailler un peu au niveau des hanches qui se trouvent juste ici. Voilà. Donc tranquillement, le dos bien droit, on vient lever les genoux. Voilà. Sans précipitation, on est toujours dans notre phase d'échauffement qui est bientôt terminée. Et on passera après à nos Jeux Olympiques, tous ensemble. Avec 12 épreuves, je vous ai préparé 12 épreuves. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Ok, très bien, super. Allez, on va encore le faire quelques secondes. Ok, impeccable. On va venir continuer au niveau des genoux. Maintenant, messieurs, dames, je vais juste vous demander de venir tendre la jambe droite. On va venir reposer, puis la jambe gauche et on repose. On alterne jambe droite, puis jambe gauche. Très bien. Jambe droite tendue. Et jambe gauche tendue, super. Droite, on tend. Et la gauche, on vient tendre, super. Droite, on tend. Et gauche, on tend. On fait attention qu'il n'y ait personne devant soi pour botter les fesses à quelqu'un, d'accord? Alors, on fait toujours attention. S'il y a des douleurs aussi au niveau des genoux, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'extension totale. Vous levez tout simplement un petit peu le pied et vous reposez, d'accord? Là, déjà, vous échauffez l'articulation du genou. Voilà, tranquillement, on va le faire encore quelques secondes pour terminer l'échauffement. Ok, très bien, super. Allez, encore une fois, sur chaque jambe, allez, une jambe droite et enfin, jambe gauche. Très bien, et on relâche, impeccable. Allez, on va faire deux derniers exercices. Dernier exercice au niveau des chevilles. Je vais vous demander, messieurs, dames, de venir tendre la jambe droite et avec la pointe du pied, comme le nez pour tout à l'heure, vous allez imaginer un crayon à votre pointe du pied et une feuille et on va essayer de dessiner des cercles avec notre pointe du pied. Donc on essaye de dessiner des cercles avec la pointe du pied. Voilà, tranquillement, sans précipitation. Voilà, si l'exercice est trop dur pour certaines personnes, vous avez juste hop, à tendre et à ramener le pied vers vous, tout simplement. Hop, je me mets de côté pour que vous compreniez mieux. Juste hop. Tendre la cheville et la ramener. Tout simplement. D'accord? Si l'exercice du cercle est trop compliqué. Voilà. Tranquillement. On va faire le même exercice sur le pied gauche maintenant. Donc toujours, voilà, on dessine un cercle avec la pointe du pied. Et vous allez sentir que ça va venir travailler au niveau de l'articulation de la cheville. Voilà, ça va venir déverrouiller cette articulation. Super, très bien.
Impeccable. Allez, on fait encore quelques secondes tous ensemble. Et on vient relâcher. Très bien. Et on relâche. Super. Allez, messieurs, je vous propose un dernier exercice. On va venir juste avec nos pieds taper au niveau du sol. Allez, donc sur 10 secondes, je vais vous demander de taper avec les deux pieds, les uns à la suite de l'autre. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Allez, on vient relâcher. On peut venir glisser les mains au niveau des cuisses pour relâcher. Très bien. Allez, on va encore le faire deux fois et après on passera à nos différentes épreuves de Jeux Olympiques. Allez, c'est parti. On retourne pour une deuxième fois, messieurs, dames. On vient taper des pieds le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Allez, on vient souffler tranquillement. Super. Impeccable. Très bien. Et on relâche. Et on le fait une dernière fois, messieurs, dames, sur 10 secondes. On vient taper des pieds le plus vite possible. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, messieurs, dames. Impeccable. Allez, venez souffler tranquillement. Donc, on va venir inspirer par le nez et souffler par la bouche. D'accord? Donc, on va venir inspirer. Puis souffler. Donc on inspire, l'air va rentrer dans notre nez. Et on va venir souffler, l'air va venir sortir. D'accord. On va venir inspirer, l'air rentre. Et on va venir souffler, l'air va sortir. Allez, encore deux fois, on inspire, l'air rentre. On vient souffler. Très bien. Une dernière fois, l'air va rentrer. Et on expire, l'air va sortir. Très bien, messieurs, dames. Super. Alors, on va venir rentrer maintenant dans le corps de notre séance. Donc, on va venir commencer nos différentes épreuves donc, des Jeux Olympiques. Donc, pour rappel, je vais venir vous proposer 12 sports. Et nous allons faire donc, les mouvements spécifiques de chaque sport. Donc, ces mouvements vont permettre de mobiliser nos articulations, mais aussi mobiliser nos muscles. D'accord? Et donc, ces différents sports vont pouvoir solliciter quasiment la totalité de notre corps, de nos muscles, de nos articulations. D'accord, messieurs, dames? Alors, pour vous expliquer, on va venir faire trois sports et on fera une petite pause de respiration. Puis, on viendra refaire trois sports, puis à nouveau une pause. D'accord? Et on va faire ça quatre fois. Donc là, on va être encore ensemble, une petite vingtaine de minutes avec le temps de retour au calme à la fin. D'accord, messieurs, dames? Alors, on va venir commencer par le premier sport, donc le basketball. D'accord? Donc, basketball, un sport collectif qui se joue en intérieur. Donc, le principe du basketball, l'un des mouvements spécifiques du basketball, ça va être le dribble. Donc, on va imaginer que l'on a un ballon au niveau de notre main droite. Et ce ballon, on va essayer de le faire rebondir devant soi. Donc, on peut le faire rebondir à côté de soi, si on a de l'espace. S'il y a moins d'espace, on peut le faire rebondir devant soi. D'accord? Et on imagine que ce ballon, on doit bien le faire rebondir entre notre main et le sol. D'accord? Donc, juste avec la main droite, nous allons faire rebondir ce ballon. Tu vois, ce chronomètre. Allez, donc tous ensemble. Allez, messieurs, dames, je vous laisse avec votre main droite. Faire rebondir le ballon sur place pour commencer. D'accord? Voilà, donc là, on va venir essentiellement travailler au niveau du poignet et au niveau un petit peu des doigts. Voilà. Alors, on va venir complexifier maintenant. Ce ballon, on va venir le faire circuler devant soi, puis de l'autre côté, tranquillement. Voilà. Et on va venir changer, le ramener sur la droite. Donc, on y va en direction de la gauche, toujours en le faisant rebondir. Ah, vous avez vu, on est tous experts, hein, le ballon ne part pas. Hein. Hop, il pourrait partir là-bas, mais là, on l'a tous en main. On est tous experts, on arrive tous à maîtriser le mouvement. Voilà, donc tranquillement, on va venir se déplacer vers la gauche avec notre ballon. Donc là, en même temps, on va venir travailler un petit peu au niveau des muscles du tronc.
Voilà. Allez, on le fait une dernière fois. Avec la main droite, on se déplace. Et on revient. Très bien. Alors, pour les personnes qui ont des douleurs au niveau du dos, n'hésitez pas à juste venir devant vous si d'aller trop sur la gauche, ça vous fait des douleurs. Voilà, vous venez juste devant vous et vous revenez sur la droite. Voilà, s'il n'y a pas de douleur, tout simplement. D'accord? Maintenant, on va venir faire le même exercice au niveau de la main gauche. Là, vous avez senti, ça sollicite les muscles des bras aussi notamment. Donc, pareil, même exercice, main gauche, on va venir dribbler ce ballon. Le dribble, hein, c'est un mouvement spécifique du basket. Voilà, on vient dribbler sur le côté si vous avez de l'espace ou devant s'il y a un peu moins d'espace. D'accord? Voilà, là, il n'y a pas de risque de perdre le ballon, de casser quelque chose. On arrive tous à maîtriser ce geste. Voilà, super pour tout le monde. Allez, on va bien commencer à déplacer notre ballon sur la droite maintenant et on revient sur la gauche. Très bien. Donc pour les personnes qui ont des douleurs, hop, on ramène le ballon juste devant soi et on revient sur le côté. Très bien, super. Allez, on le fait encore deux fois. On vient déplacer le ballon toujours en dribblant. Toujours, on a la maîtrise de ce ballon. Voilà, on fait jouer notre imagination en même temps. Et on vient faire une dernière fois le dribble en mouvement. Et on revient à notre position de base. Très bien, super. Alors, maintenant, on va venir continuer au niveau des dribbles. Et maintenant, messieurs, dames, je vais vous demander de venir alterner main droite et main gauche. Donc, on imagine que l'on a notre ballon juste devant nous. Et on va venir, donc vous pouvez écarter les jambes un petit peu pour avoir un peu plus d'espace. On va venir dribbler main droite et main gauche. D'accord? On alterne. Voilà, on peut même imaginer qu'on fait de la musique sur un tam-tam, mais là, on va imaginer qu'on fait du basket. Donc, on vient alterner main droite et main gauche. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. C'est vous qui avez la maîtrise de votre ballon. D'accord? Voilà, super. Donc, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Super. Et on essaye d'accélérer un petit peu le rythme. Allez, un petit peu, on alterne. On sent que le ballon, il a envie d'accélérer. Donc, on alterne tranquillement les dribbles. Main droite et main gauche. Allez, on fait encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Allez, on va terminer avec notre premier sport par des tirs de lancer. Donc, aussi au basket, on doit lancer le ballon au niveau du panier. Donc, je vais vous demander, messieurs, dames, donc, de saisir le ballon entre vos mains, d'imaginer de saisir un ballon, et on va essayer de lancer le ballon devant nous et vers le haut, d'accord? Comme s'il faisait une trajectoire en cloche, d'accord? Donc, il va venir monter et redescendre. Hop, on lance le ballon. S'il y a des personnes qui ont des douleurs au niveau des épaules, vous lancez vers l'avant, d'accord? Allez, on en fait 5 tous ensemble. Allez, une, on récupère le ballon. Allez, 2, on récupère. 3, on récupère, très bien. 4, on récupère le ballon. Et une dernière, et 5. Ok, très bien, messieurs, dames, impeccable. 3 points pour tout le monde. Super. Alors, ça, c'était notre premier sport, donc le basketball sport collectif. On va passer maintenant à un sport d'athlétisme. Ça va être le lancer de marteau. Donc, lancer de marteau, on va venir essentiellement travailler au niveau de notre buste. Alors, vous allez imaginer donc de tenir votre marteau entre vos deux mains. Donc, on va avoir les deux mains fermées qui vont se lier ensemble. Le marteau, hein, c'est une chaîne avec une boule au bout. Et donc, les sportifs de haut niveau vont venir tranquillement faire des rotations sur la gauche et sur la droite, puis hop, lâcher le marteau pour qu'il aille le plus loin possible. D'accord? Donc, nous, on va faire le même principe en imaginant notre marteau, hein, sinon on aurait tout cassé autour de nous et ce n'est pas le but. Alors, on va venir donc fermer les deux mains, les lier ensemble et on va venir donc imaginer notre marteau et on va essayer de lui faire prendre de la vitesse. Donc, on va venir faire des rotations sur la gauche puis sur la droite pour commencer. Tranquillement, petite amplitude. Et au fur et à mesure, on va venir grandir cette amplitude. Et au bout d'un moment, messieurs, dames, je vais vous demander de lâcher le marteau, d'accord? Donc, on vient lâcher les deux mains. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, on y va. Donc, on commence à faire des rotations sur la gauche, puis sur la droite, tranquillement, le dos bien droit. Allez, on commence à augmenter l'amplitude pour faire prendre de la vitesse
à notre marteau et on va venir le lâcher dans 3 secondes. Allez, on lâche dans 3, 2, 1 et c'est parti, on lâche. Très bien, super. Il est parti très loin celui-là. Allez, on fait encore 2 essais, on essaye de lancer plus loin maintenant. Allez, donc on commence à basculer à nouveau, faire des rotations pour faire prendre de la vitesse à notre marteau. Très bien, super. Allez, on augmente un petit peu en amplitude. Voilà. N'hésitez pas à relâcher vos bras vers le bas, hein, pour avoir moins de tension au niveau des épaules. D'accord? Vous pouvez faire vers le haut comme ceci. S'il y a des douleurs au niveau des épaules, vous faites un peu plus vers le bas. Allez, on y va, on prend un peu plus d'amplitude et on va venir lâcher le marteau dans 3 secondes. Allez, dans 3, 2, 1 et on lâche. Ouais, très bien, super. Oh, celui-là est parti très loin. Impeccable. Allez, on va faire un dernier essai, messieurs, dames. Donc, on vient saisir le marteau entre nos deux mains et on va venir commencer à faire des rotations sur la gauche, puis sur la droite, tranquillement. Voilà, petite amplitude au départ et au fur et à mesure, on va venir grandir nos mouvements. Très bien. Allez, c'est parti. On grandit nos mouvements au fur et à mesure. On fait attention aussi aux douleurs au niveau du dos. Donc, c'est les épaules qui vont venir, voilà, faire basculer sur la gauche puis sur la droite. Allez, on y va, on va lâcher notre marteau dans 3 secondes. Allez, dans 3, 2, 1, et on lâche notre marteau pour le dernier essai. Ok, très bien, super, messieurs, dames. Donc ça, c'était notre deuxième sport, notre sport d'athlétisme. On va y revenir tout à l'heure à l'athlétisme. Alors, on va venir continuer maintenant avec un sport de route. Sport de route qui va être le cyclisme. Donc on va venir faire ça, travailler au niveau des bras et aussi un petit peu au niveau des jambes. Donc, alors le cycliste, pour rappel, hein, on vient pédaler sur notre vélo. On va venir commencer avec les mains pour commencer. Donc je vais vous demander avec vos mains, voilà, de venir pédaler comme si on avait un pédalo, un pédalier devant nous et on va venir pédaler simultanément avec la main droite et la main gauche. Donc toujours pensez à relâcher les épaules. Voilà, vous faites vers le bas pour éviter les tensions au niveau des épaules. Si vous le faites comme ceci, vous allez travailler et ça peut être douloureux au fur et à mesure. Donc vers le bas, tranquillement, on imagine que l'on vient pédaler. Super. Allez, après on fera une petite pause, respiration, avant de reprendre nos différents sports. Ok, super. Allez, on vient souffler en même temps. Et allez, je vais vous demander maintenant sur 5 secondes d'accélérer un petit peu le rythme. Allez, sur 5 secondes, on essaye d'aller un petit peu plus vite. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien, super. Allez, on va venir terminer au niveau donc du cyclisme avec les jambes. Donc, vous pouvez vous tenir au niveau de l'assise de la chaise ou retenir au fond de votre chaise et on va venir tranquillement pédaler avec nos jambes. D'accord? Donc, on vient lever, on vient pédaler, je veux dire, avec nos deux jambes. D'accord? Si c'est douloureux pour certaines personnes, n'hésitez pas à continuer avec les bras. Si au niveau des jambes c'est trop difficile, ou vous pouvez essayer éventuellement de faire juste avec une jambe pour commencer. D'accord? Puis vous viendrez alterner avec l'autre jambe. Donc tranquillement, allez, sur quelques secondes, on va venir pédaler tous ensemble. Voilà, super. Pour travailler un petit peu au niveau des jambes, on n'avait pas encore travaillé les jambes. Voilà, là on va pouvoir les travailler un petit peu. Ouais, je vous laisse continuer encore sur une dizaine de secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, messieurs, dames. Super. Allez, on va faire un petit temps de respiration tranquillement pour venir calmer. Là, vous avez pu voir que les différentes activités sont de plus en plus intenses. D'accord? Donc là, on va refaire pareil après. On va faire une activité qui va être moins sollicitante et terminer par une activité un peu plus sollicitante pour le corps. D'accord? Alors, on va venir faire un petit peu de respiration pour reprendre nos différentes activités. D'accord? Donc, on va venir prendre une bonne inspiration. On va venir se grandir. Donc, on inspire par le nez, on se grandit. Et on expire et on relâche. Très bien. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche. Très bien. Encore 3 fois, messieurs, dames. On inspire, on se grandit.
Et on expire, on relâche. Très bien. On inspire, on se le rendit. Et on expire, on relâche. Très bien. On inspire, on se le rendit. On expire, on relâche. Allez, je suis gourmand, on en fait une dernière. On inspire. Et on expire. Très bien, messieurs, dames. Super. Allez, on va venir reprendre donc nos différents sports olympiques. Alors, trois nouvelles épreuves. Donc, on va venir commencer par un sport de force, l'haltérophilie. Donc, le principe de l'haltérophilie, on va venir essayer de soulever un poids pour travailler au niveau des jambes, de la souplesse des jambes et du tronc et du bassin notamment. Et enfin, travailler au niveau de nos bras ensuite. D'accord? Donc, principe de l'exercice, messieurs, dames. Je vais vous demander de glisser vos mains au niveau de vos jambes, le plus bas possible que vous pouvez. On fait attention au niveau des douleurs au niveau du dos, d'accord? S'il y a des personnes qui sont douloureuses lorsque les mains descendent derrière les genoux, vous maintenez juste la position, les bras, les mains au niveau des genoux, d'accord? Donc, notre principe de l'exercice, on va venir faire glisser nos mains sur nos genoux pour amener l'haltère, la barre donc de poids au niveau de notre bassin. On va venir fléchir au niveau des coudes et lever les bras vers le ciel, d'accord? Si c'est douloureux au niveau des épaules, pour lever vers le haut, on tend les bras vers l'avant, d'accord? On le fait quelques fois, donc on va venir poser les mains à l'avant des genoux. On vient ramener donc les mains au niveau du bassin, juste ici. On fléchit, on ramène donc les mains au niveau des épaules et on vient lever les mains au-dessus de la tête. Très bien, super. Allez, on le fait encore quelques fois. On ramène, hop, on travaille au niveau du tronc et du bassin essentiellement. On fléchit pour ramener les mains au niveau des épaules et on lève au-dessus de la tête. Très bien. Allez, on le fait encore trois fois. On ramène les mains au niveau des épaules et on lève notre poids au-dessus de la tête. Super, très bien. Allez, encore deux fois. On ramène notre barre, hop, au niveau du bassin. La barre, on la place sur nos épaules, juste ici. Et on vient lever la barre au-dessus de la tête. Super, très bien. Allez, on le fait une dernière fois tous ensemble. On ramène la barre au niveau du bassin. La barre, on la place au niveau des épaules. Et on vient lever la barre au-dessus de la tête. Très bien pour tout le monde. Super. Allez, on va venir continuer avec notre cinquième sport maintenant. Donc, un sport de raquette. Ça va être le tennis. Donc, qui se joue à l'extérieur. Surtout avec aujourd'hui ce beau soleil. Ce lundi 5 mai, lundi 4 mai. Lundi 4 mai, donc avec ce beau soleil et ces belles températures. Donc on va venir un peu faire du tennis, donc sport de raquette. Messieurs, dames, je vais vous demander de prendre votre plus belle raquette dans votre main droite, si vous êtes droitier ou droitière, ou dans votre main gauche, si vous êtes gaucher ou gauchère. Donc on vient prendre notre raquette et on va venir, voilà, ramener la balle, on imagine notre adversaire et donc on s'imagine de taper dans la balle pour la renvoyer à notre adversaire. Voilà, très bien, super messieurs dames. Donc là on va venir travailler au niveau des bras mais aussi un petit peu au niveau des muscles du tronc. Super. Très bien. Allez, donc on fait des coups droits. Voilà, donc du même côté par exemple si on est droitier ça va être sur la droite. Et pour faire des revers, hop, on vient taper avec la main droite sur le côté gauche. Voilà, pour faire des revers. Super. Même principe pour les personnes qui sont gauchères. Hop, le coup droit sur le côté gauche et le revers, hop, sur le côté droit. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer votre raquette et on vient taper en portion 10 secondes notre balle. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Très bien, super. Maintenant, messieurs, dames, on va venir faire le même exercice, mais on va venir changer notre main de raquette pour un peu travailler notre habileté sur notre main la moins forte. D'accord? Donc, pour les droitiers et droitières, on prend la raquette main gauche, et pour les gauchers et gauchères, on prend la raquette main droite. D'accord, messieurs, dames? Donc, je vous laisse changer de main votre raquette, et on va venir continuer à faire notre match avec notre adversaire. Voilà, donc on imagine qu'on ramène la balle avec notre raquette. Super, très bien pour tout le monde. Ok.
Donc là, vous sentez qu'on mobilise bien le haut du corps essentiellement. Très bien pour tout le monde. Allez, on le fait encore 10 secondes, messieurs, dames, tous ensemble. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Allez, on vient relâcher un petit peu les bras. Ça va solliciter un petit peu les bras. Ça commence à chauffer, c'est normal. On sollicite bien notre corps depuis tout à l'heure. Alors, dernier sport avant de faire à nouveau une pause respiration. Donc là, un sport, donc sport d'athlétisme et notamment sport de course. Alors, on va venir solliciter donc les bras et les jambes en même temps. On va venir commencer, messieurs, dames, par les bras. Donc, je vais vous demander d'imaginer comme si vous couriez avec donc les deux bras qui vont basculer d'avant vers l'arrière. Je me mets de profil pour mieux comprendre. Donc, les bras, hop, vont basculer de l'avant vers l'arrière. D'accord ? Super, très bien. Donc, on commence par les bras. On imagine notre course, qu'on est en train de courir, qu'on fait notre course pour terminer en tête. Voilà, super. Très bien, monsieur. Allez, on va venir relâcher au niveau des bras. Maintenant, on va faire le même exercice comme tout à l'heure au niveau de l'échauffement. On va venir courir au niveau de nos jambes. Donc, on vient courir au niveau des jambes. Donc, voilà, on vient taper des pieds au sol pour imaginer que l'on court. Super. On sent les bras pour commencer. Voilà, on imagine que l'on vient courir. Allez, on fait encore 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Maintenant, on va venir lier les deux mouvements. Donc, les mains et les jambes. Donc, on va venir courir et en même temps essayer de bouger nos bras comme si on courait. D'accord ? Voilà, un petit travail de coordination. Voilà, on y va tranquillement. Là, on est plus sur un marathon. Marathon, hein, on est plus sur un travail qui dure un peu plus longtemps. Voilà, donc on n'est pas obligé de se précipiter. On y va tranquillement. Super. Très bien. Et vous relâchez. Allez. Et pour terminer, on va venir faire une dernière course, mais une course de haies. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir courir avec donc, les bras et les jambes. Et à mon top, on va venir sauter, donc lever les deux jambes et lever les deux bras. D'accord ? Donc, quand il y a une haie, je vais vous dire qu'il va falloir sauter. Donc, je vais vous dire sauter et on vient lever les deux jambes et les deux bras. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc, on commence notre course. On vient courir tranquillement avec nos bras. Et on va venir sauter notre première haie dans 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On saute. Très bien, super. Allez, on repart. On en fait encore quelques-unes. Allez, on vient courir. Oh là, attention, je vois au loin une prochaine haie. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. On saute. Super, très bien. Allez, on en fait encore 2. On vient courir tous ensemble. Allez, très bien, messieurs, dames. Allez, je vois une haie. Allez, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1. On saute. Super. Allez, on fait la dernière haie, messieurs, dames. Et après, on fera une petite pause. Allez, on court, on court, on court. Et la dernière haie dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on saute. Super. Très bien. Et on relâche. Impeccable. Allez, on vient relâcher les bras. Vous pouvez relâcher les bras sur le côté tranquillement, secouer les jambes aussi en même temps. Voilà, là, sur le dernier exercice, on a sollicité hein, les jambes, mais notamment aussi les bras. D'accord ? Allez, on va faire un petit peu de respiration comme tout à l'heure pour venir redescendre un petit peu le rythme, notamment au niveau du souffle. Alors, on va venir prendre une bonne inspiration, on va venir se grandir et on va venir relâcher. Ah bien, je me mets profil pour mieux comprendre. Donc, on va venir inspirer, on va venir se grandir. Et on vient souffler, on relâche. On inspire. On vient souffler. Très bien. On inspire. On souffle. Très bien. On inspire. On souffle et on
on inspire. Et on souffle. Très bien, messieurs, dames. Super. On en a la moitié de nos épreuves. Donc, on a bientôt fini. Plus que 6 épreuves de sport avant de terminer la séance. Alors, pour notre 7e sport, nous allons faire l'escrime. Donc, on va solliciter essentiellement le haut du corps. D'accord? Donc, avec l'escrime, je vais vous demander d'imaginer votre épée ou votre sabre dans votre main droite ou votre main gauche. Peu importe. Vous prenez la main que vous souhaitez sur ce sport. On va venir donc prendre notre épée, la placer devant soi. Le principe de l'exercice, messieurs, dames, je vais vous demander de toucher votre adversaire, soit vers le haut, soit vers le bas, soit sur la droite, ou soit sur la gauche, ou encore au centre, au niveau du cœur. D'accord? Donc, soit on va vers le haut, soit vers le bas, soit vers le centre, ou soit vers la gauche, ou vers la droite. D'accord? Donc, c'est un travail aussi de réactivité. Allez, donc, on place notre épée devant soi. Donc, à chaque fois qu'on vient faire un mouvement, par exemple, vers le haut, on essaye de ramener notre épée devant soi pour nous protéger de notre adversaire. D'accord? C'est bon pour tout le monde, messieurs, dames? Allez, à votre garde, messieurs, dames. Très bien. Et c'est parti. On touche vers le bas. Très bien. En garde. À droite, en garde, très bien. À gauche, en garde, très bien. Au centre, très bien, super. En garde, en bas, en garde, très bien. Vers le haut, en garde. Au centre, en garde, très bien. À droite, en garde, en bas, très bien. Deux fois au centre, une et deux, super. À gauche. En garde, très bien. Vers le haut, très bien. Trois fois en bas. Une, deux et trois. Super. Allez, on va terminer à droite. En haut, en garde à gauche. Très bien. Vers le bas et en garde. Et trois fois au centre pour terminer. Allez, une, deux et trois. Super. Très bien. Impeccable. Allez, donc ça, c'était notre sport de combat, notamment l'escrime. Alors, notre 8e sport, nous allons faire du judo. Toujours un sport de combat. Donc, le principe du judo, c'est il faut attraper notre adversaire et le faire tomber au sol. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais vous demander de venir saisir votre adversaire devant vous. Donc, on va venir imaginer qu'on saisit un vêtement et qu'on le serre entre nos deux mains. Et on va venir donc, hop, juste faire une rotation sur la gauche pour commencer à faire basculer notre adversaire. Et on va venir essayer de coordonner donc ce mouvement en tendant notre jambe. Donc on va venir tendre notre jambe et on va venir basculer notre adversaire sur le côté. D'accord? Donc on va venir faire basculer le haut du corps de notre adversaire et avec notre jambe, il va venir s'accrocher dans nos jambes et il va venir tomber au sol. D'accord, messieurs, dames? On fait ça 10 fois sur chaque côté. Allez, donc on commence sur le côté gauche. Donc on saisit notre adversaire, on tend notre jambe et on bascule. Très bien, super. Allez, à nouveau, on saisit, on vient tendre la jambe gauche, on bascule. Super, très bien. On saisit, on tend notre jambe, on bascule. Super, impeccable. Encore deux fois sur le côté gauche, on vient saisir, on vient tendre la jambe et on bascule. Ok. Allez, une dernière fois, messieurs, dames, on vient saisir notre adversaire fortement. Il ne faut pas qu'il s'en aille. On vient tendre la jambe pour lui faire tomber, faire un croche-patte au niveau de ses jambes. Et on bascule notre adversaire. Très bien, super. On va faire maintenant le même exercice, messieurs, dames, mais sur la droite. Alors, je vais vous demander à nouveau de saisir votre adversaire. Maintenant, on va venir tendre la jambe droite. On tend la jambe droite et on bascule, on fait une rotation sur la droite. Très bien, super. À nouveau, on saisit notre adversaire, on tend la jambe et on bascule. Très bien, impeccable. On le fait encore trois fois. Allez, on saisit bien fort notre adversaire, on vient tendre la jambe et on fait tomber. Impeccable. Allez, encore deux fois, on vient saisir, on tend notre jambe droite et on le bascule sur le côté. Très bien, super. Allez, une dernière fois, on le saisit, on tend notre jambe et on fait tomber sur la droite. Super, très bien, impeccable. Les vrais judokas que nous sommes, impeccable.
Alors, on va venir faire un dernier exercice, notre 9e épreuve des Jeux Olympiques, et on fera un dernier temps de respiration avant de faire nos 3 dernières épreuves. Alors, la 9e épreuve, on va faire un sport d'eau et nous allons faire de la natation. Donc, avec les bras, on va faire un type de nage et avec les jambes, un autre type. D'accord? Donc, avec les bras, messieurs, dames, nous allons faire la brasse. Alors, comment se déroule la brasse? Je vais tout simplement vous demander donc de lier vos deux mains. On va lier nos deux mains et les tendre vers l'avant pour avoir les bras tendus. Donc, on lie nos deux mains, on tend les bras et on vient écarter les mains vers l'extérieur. Donc, on lie les deux mains, on tend les bras et on écarte les paumes de main vers l'extérieur, comme si on voulait écarter l'eau de notre passage. D'accord? Et on revient. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va faire une dizaine de fois. D'accord? Allez, c'est parti. On tend et on écarte. Super pour tout le monde. On tend, on écarte pour deux. Super. On tend, on écarte. Très bien. On tend, on écarte. Impeccable pour tout le monde. On tend, on écarte. Super. On est à la moitié, on en fait encore cinq. On tend, on écarte. Impeccable. On tend, on écarte. Super. On tend, on écarte. Allez, encore deux fois, messieurs, dames. On tend, on écarte. Impeccable. Et une dernière fois, on tend et on écarte. Super. Des vrais poissons, tout le monde. Impeccable. Alors, donc là, c'était la nage de la brasse. Donc, le mouvement que je vous ai montré était représentatif de la nage de la brasse. On va faire une dernière nage au niveau de nos jambes. On va venir tout simplement faire des petits battements avec nos jambes qui sont représentatifs de la nage du crawl essentiellement, mais aussi du dos. D'accord? Donc, juste avec nos jambes, vous pouvez vous maintenir au niveau de l'assise de votre chaise et on va venir faire des petits battements du haut vers le bas avec nos jambes. D'accord? Tranquillement, sans précipitation. Voilà, on s'imagine dans l'eau tranquillement, paisiblement, et on vient tranquillement faire des battements avec nos jambes. D'accord, messieurs, dames? Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, un petit bouquet de muguet qui fait plaisir. Ça sent très bon. Très bonne odeur. Il y en avait beaucoup cette année. Tranquillement, on fait encore 5 secondes, messieurs, dames. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Super pour tout le monde. Allez, on va faire une dernière fois un petit temps de respiration. On terminera par nos 3 dernières épreuves. Et après, on pourra terminer la séance tous ensemble. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va faire un petit temps de respiration rapidement. Et on terminera par nos 3 dernières épreuves. Allez, c'est parti. Donc, on va venir tranquillement faire donc, de la respiration. On va venir donc, inspirer. Se grandir, donc on inspire, on se grandit. Et on souffle et on relâche. On inspire, on se grandit. On souffle, on relâche. Très bien. On inspire, on se grandit. On souffle, on relâche. Allez, une dernière fois, on inspire, on se grandit. Et on souffle et on relâche. Très bien, messieurs, dames. Voilà. On attaque nos 3 dernières épreuves et après, ça sera terminé pour cette séance. Je vous félicite. Alors, 3 dernières épreuves. Donc, première épreuve, une épreuve de précision. Donc, on va venir faire du tir à l'arc. Donc, je vais vous demander de venir tendre votre bras gauche pour commencer. Donc, le bras gauche va être tendu et le poing fermé. Et on va venir donc avec la main droite aussi, lier la main droite à notre main gauche. On va venir avec notre main droite, hop, ramener notre main au niveau de notre épaule et on va venir viser et pom, on lâche la flèche, d'accord? Donc, on vient attraper notre corde, hop, on vient tirer notre corde et notre flèche et on lâche. Très bien, super. On le fait encore 2-3 fois. On attrape notre flèche et notre corde, on tire et on lâche. Très bien, super. Allez, encore 2 fois, on vient attraper. On tire, on lâche. Super. Allez, une dernière fois, messieurs, dames, de ce côté. On vient
tirer avec la main droite et on lâche. Super, très bien. Maintenant, on va faire le même principe, mais on va venir tendre donc, notre bras droit et on va venir attraper notre flèche, notre corde avec la main gauche. Donc, on attrape, on tire, on lâche. Très bien. Allez, encore quelques fois, on attrape, on tire et on lâche. Super. Allez, on se remet en position, on attrape, on vient tirer notre flèche et on lâche. Très bien. Allez, encore deux fois, on attrape, on vient tirer, on relâche. Très bien, super. Allez, une dernière fois, on attrape, on tire, on relâche. Super pour tout le monde, impeccable. Allez, on va attaquer nos deux dernières activités, nos deux derniers sports qui vont être des sports d'eau. Donc, ça va être l'aviron et le kayak. Alors, pour commencer, on va débuter par l'aviron. Donc, je vais vous demander, je vais mettre de profil pour me comprendre. Donc, vous allez tendre vos deux bras vers l'avant et on va essayer de ramener, hop, les rames vers nous, tranquillement. Donc, on tend les bras, le buste va basculer légèrement à l'avant et on ramène les bras vers nous. Super. On tend, on ramène. Super. Allez, on le fait encore 10 fois. Une, on ramène. Deux, on ramène. Très bien. Trois, on ramène. Quatre, on ramène. Super. Cinq, on ramène. 6, on ramène. Très bien. 7, on ramène. 8, on ramène. Super pour tout le monde. Encore 2, 9, on ramène. Et une dernière, 10, et on ramène. Super, très bien, impeccable. Donc là, vous avez vu que pour l'aviron, on devait travailler les deux mains en même temps. Et là, on va venir faire un dernier sport pour terminer nos Jeux Olympiques. On va venir faire donc du kayak. Donc le kayak, on va essayer aussi de solliciter nos jambes en même temps. Donc le kayak, on va venir, voilà, pagayer à droite, puis à gauche, à la suite, d'accord? Donc droite et gauche. Voilà, donc je vous laisse faire tranquillement. On pagaye à gauche, puis à droite. Super. Donc vous pouvez lier, on vient lier les deux poignets ensemble, comme si on tenait notre pagaie, et on vient pagayer à droite, et à gauche, d'accord? Donc la droite, puis gauche, impeccable. Droite et gauche, super. Droite et gauche, impeccable. Droite et gauche. Allez, encore une fois, droite et gauche, super. Alors, je vais vous proposer une dernière alternative pour terminer. Donc, on va essayer de travailler les jambes en même temps. Donc, lorsque l'on va pagayer sur la gauche, on va essayer de tendre un petit peu la jambe gauche. On vient lever le pied gauche. Donc, on lève le pied gauche et quand on va sur la droite, on lève le pied droit. Voilà, on y va tranquillement. Gauche et droite. Super pour tout le monde. Gauche et droite. Impeccable. Allez, on le fait encore quelques fois. Gauche et droite. Très bien. Gauche et droite. Allez, encore une fois de chaque côté. Gauche et droite pour terminer. Très bien, messieurs, dames. Impeccable. Allez, on va terminer là sur la respiration pour terminer notre séance. Je vous félicite, vous avez réussi à passer les 12 épreuves de nos Jeux Olympiques tous ensemble et avec le sourire. Impeccable. Donc, on va terminer par un peu de respiration et je vous laisserai pour la séance, pour la journée. Allez, donc tranquillement, on va venir prendre une bonne inspiration, on va venir se grandir. Et on va venir souffler, on relâche. On inspire. Et on relâche. Très bien, messieurs, dames. Encore 3 fois, on inspire. Et on relâche. On inspire et on relâche. Très bien. On le fait une dernière fois, messieurs, dames. On inspire et on vient relâcher tranquillement. Très bien, messieurs, dames. Allez, avant de vous laisser et avant de vous laisser terminer donc, cette séance d'activité physique donc, qui était autour des Jeux Olympiques, on va s'imaginer maintenant supporter dans le stade
Et on va venir faire une hola tous ensemble. Donc, quand on va faire la hola, on va venir relâcher les bras sur le côté vers l'avant. Et quand je vais dire hola, on va venir lever les bras tous ensemble. J'espère que vous allez le faire tous ensemble, tous les résidents ensemble, toutes les équipes ensemble, pour créer une bonne communion. Et pour vous féliciter pour cette super séance d'activité physique que l'on a fait tous ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, on relâche les bras. Allez, olé. Très bien. Allez, encore quelques fois. Allez, olé. Impeccable. On le fait encore deux fois. Allez, olé. Très bien. Et une dernière fois, messieurs, dames, pour tous vos efforts pour aujourd'hui. Et on le fait. Allez, olé. Très bien, messieurs, dames. Super. Allez, je vais vous souhaiter donc une très belle fin de journée à vous tous, mais aussi à toutes les équipes. Et j'espère vous retrouver très vite pour des nouvelles séances d'activité physique. Je vous souhaite une très belle fin de journée, messieurs, dames, et prenez soin de vous.